Ouais, voilà, c'est le plus important. Aujourd'hui, on a marqué beaucoup de buts. Ça a mis tout le monde en confiance, mais voilà, le principal, c'était de passer. Presque une but de toi, mais on a fait un penalty. Ouais, le penalty, ça me va aussi. Ça a permis à Ellen, qui marque pas souvent, de pouvoir mettre, je pense, son premier but. Donc non, ça m'a fait plaisir. Et, c'est pas très important qu'il marque. Cette semaine, vous êtes quitté avec l'équipe nationale. Vendredi, c'est tout la euphorie. Mais dimanche, ce n'est pas si bien. Oui, c'est vrai que tout le monde était très excité pour ce match contre la Suisse. Ça ne s'est pas passé du tout comme on l'aurait voulu. Maintenant, rien n'est encore perdu, on a encore deux matchs, il faudra les gagner tous les deux, mais je pense qu'on a assez de qualité pour pouvoir se qualifier. Comment c'est d'être avec l'équipe nationale dans cette qualification européenne? C'est une fierté de faire partie des 26 joueuses qui participaient au match de qualification. Ça fait plaisir, ça fait aussi du bien de pouvoir évoluer au plus haut niveau avec les meilleures joueuses. Et j'espère que ça va encore durer longtemps. Dernière question maintenant, avec le Standard de nouveau dans la compétition. Ça, normalement, va être quelque chose entre Anderlecht et Standard. Comment tu vois la compétition? Je pense que oui, à mon avis, ça va clairement jouer entre Anderlecht et nous, même s'il ne faut pas sous-estimer les autres et qu'il y a aussi d'autres bonnes équipes comme Gand. Et il peut aussi y avoir des surprises, mais je pense que ça va clairement se jouer entre nous. Entre Anderlecht et nous, et voilà, le premier match on l'a perdu. Là, on doit faire un sans faute jusqu'à les rencontrer chez nous et on devra gagner si on veut pouvoir croire au titre. Félicitations avec la qualification. Merci.